Alors, je vais pouvoir commencer le déballage de l'outfit pour Malina. Alors, cet outfit a été créé par Favorite Blights. Elle possède un Etsy, je ne sais pas si elle possède d'autres réseaux sociaux ou une autre boutique sur internet. Du coup, cette tenue, c'est pour Malina. Malina, c'est ma pulipe albinos qui a été élevée par enfance terrible. Et du coup, je cherchais une tenue avec un style un peu ancien et doux. Et ma petite albinos représente aussi des traits de lapin. Et du coup, je cherchais une tenue avec peut-être des oreilles de lapin ou quelque chose d'assez doux qui pourrait représenter un lapin albinos. Sans plus tarder, je vais commencer à déballer tout ça. Ça a l'air très très joli à l'intérieur. Bon, en fait j'ai complètement défoncé l'enveloppe papier, mais j'ai pas ouvert l'enveloppe bulle. Petit coup de ciseau et ça sera réglé. Hop. Encore un petit coup de ciseau, sinon je vais pas réussir à ouvrir. Hop là. Alors nous avons, mais ça a l'air vraiment super mignon. Attention. C'est tout rose, tout mignon. Il y a un petit cœur. Et derrière, il y a écrit For Baby Malina. J'avais mis un petit mot, je trouvais ça mignon. Hop. Hop là. Mais ça m'a l'air super grand et super mignon tout ça. Waouh! Wow! Mais la qualité a l'air super. Waouh! Alors du coup nous avons le petit ruban serre-tête. Avec du coup ça fait des petites oreilles de lapin avec du coup c'est un motif rose avec des petites étoiles blanches. C'est vraiment adorable. C'est super détaillé, c'est vraiment magnifique. Je suis pas du tout déçue. Waouh, mais la dentelle est super belle. J'ai vraiment hâte de juste mettre le petit headband sur Malina, ça sera vraiment mignon. Ensuite nous avons... Oh là là, mais les manches sont magnifiques. Ça fait des sortes de petites manches retroussées. C'est vraiment super joli. Franchement, j'adore. C'est vraiment magnifique. Et du coup, il y a la petite pression dans le dos. Ah, il y en a deux. Il y en a même une en bas. Du coup, ça fait un peu comme une petite blouse. C'est superbe.